Sato. Bonjour, Monsieur Le Moine. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre chargé de l'Europe et vous êtes ici dans le cadre du sommet AfriCité en représentation du gouvernement français. Le sommet est rentré dans le vif du sujet aujourd'hui sur les thématiques principales qui l'intéressent, qui sont le développement durable. Quelles propositions fait le gouvernement français pour rendre les villes africaines plus durables ? C'est la proposition d'un partenariat à tous les étages, partenariat entre collectivités locales, parce que de nombreuses collectivités françaises sont engagées dans une coopération décentralisée et nous souhaitons conforter ce mouvement. Coopération naturellement aussi entre gouvernements. La France s'engage et se réengage massivement en matière d'aide au développement avec l'objectif d'atteindre les 0,55% de notre revenu national consacré à cela. Et je vous donne un exemple très concret. Cette année, l'AFD, l'Agence française de développement, a mis 500 millions d'euros sur la table sur le thème de la ville durable. Et puis aussi, coopération avec le secteur privé. Il y a une expertise française qui s'est d'ailleurs mariée avec bonheur à l'expertise marocaine, puisque nous l'avons vu la semaine dernière, l'inauguration par Sa Majesté et le Président de la République de cette ligne à grande vitesse. Donc on voit que, effectivement, la France, elle est là pour travailler avec le continent, avec les acteurs du continent, à ce thème de la ville durable, parce que nous sommes face à des urgences de toute nature, urgences climatiques, urgences environnementales, et donc nous devons apporter des solutions concrètes. Dans des débats dans le cadre de ce sommet, il y a eu une idée qui a commencé à circuler concernant une coopération triangulaire France, Maroc, Afrique. Est-ce que la France a des projets à proposer dans le cadre de cette coopération triangulaire en partenariat avec le Maroc et avec des villes africaines? C'est vrai que c'est une idée qui est très séduisante. Le Maroc, très présent sur le continent, la France également. On a vu un certain nombre de projets que nous avons pu mener à bien ensemble et nous devons, je pense, continuer effectivement dans cette logique de triangulaire. C'est gagnant, 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 trois fois gagnant, je pense. Gagnant pour les territoires sur lesquels nous interviendrions en commun et puis gagnant naturellement pour chacun de nos pays où, encore une fois, ça permet à nos talents de s'exprimer. Je crois que le sujet d'application du développement durable est particulièrement indiqué. Nous travaillons ensemble, par exemple, ici pour des filières de recyclage automobile. Eh bien, nous pouvons sûrement exporter ce travail commun ensemble après vers d'autres pays du continent. Mais on pourrait parler de bien d'autres sujets comme, par exemple, la planification urbaine, comme l'accompagnement des collectivités locales. Il y a un travail très fort entre nos deux directions générales des collectivités locales. J'étais il y a quelques instants avec le Wali, justement directeur général des collectivités locales ici. Je pense qu'il y a toute une ingénierie que nous pouvons valoriser auprès de nos partenaires et amis communs sur le continent. Un de mes collègues a sorti une idée géniale qui est celle de la mise sur les rails du TGV de la coopération bilatérale Maroc-France. Est-ce que cette coopération concernant le TGV pourrait toucher d'autres secteurs qui concernent la gestion urbaine au sujet de problèmes concrets comme l'assainissement, comme l'éclairage public, comme la migration, comme le transport? Assurément, et d'ailleurs je suis venu accompagné d'une délégation organisée par la Task Force Développement Durable, Ville Durable du MEDEF International avec plusieurs dizaines d'entreprises françaises fédérées par Gérard Wolf. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici, c'est la quatrième fois en quelques temps. Et on voit bien que du coup, les partenariats se nouent et que nous allons pouvoir, je pense, décliner tout cela pour le bien de tout le monde. Parce que vous avez raison, la gestion des déchets, c'est capital. L'accès à l'eau, à l'assainissement, nous avons un certain nombre de dispositifs réglementaires en France qui permettent aux collectivités locales d'aider en coopération décentralisée, grâce à un pourcentage de leur budget dédié à cela, mettons cela en musique ensemble. Encore une fois, nous sommes, je crois, dans une phase d'une densité exceptionnelle dans la relation franco-marocaine, puisque le chef d'État sera en visite d'État ici même au printemps prochain. Et je crois qu'il faut préparer ce moment fort avec des projets. Nous sommes au moment où justement nous sommes en train de tisser ces liens pour les travailler, les évoquer, et tout cela va mûrir dans le cadre de la visite d'État. Et puis un peu plus tard, nous avons le sommet Afrique-France qui se tiendra en 2020. Et ce sommet, on veut en faire tout simplement bâtir un agenda des solutions. Nul doute que la France et le Maroc auront des solutions à proposer ensemble.
Vous me permettez une belle transition vers un sujet qui est revenu assez souvent lors des discussions dans le cadre du sommet, qui est celui de la migration. Et les municipalités et les communes africaines veulent être associées à la recherche de solutions concernant la migration. Quel apport pourrait faire la France et le gouvernement français concernant cette association des communes pour résoudre les problèmes de migration? On le voit, on fait face ensemble à un certain nombre de défis. Défis climatiques, défis démographiques, défis migratoires. Et très clairement, l'Europe, l'Afrique, soit on réussit ensemble, soit on échoue ensemble. Et donc, naturellement, on veut réussir. Ça veut dire qu'en matière migratoire, je crois qu'il faut que nous puissions arriver à développer tout ce qui est auto-entreprise, micro-entreprise. Et nous orientons aussi notre aide publique au développement vers le soutien au secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui crée de façon prépondérante l'emploi, qui donne des perspectives d'avenir. Parce que les jeunesses qui prennent la route du Nord, c'est pas la route de la liberté qu'ils prennent, c'est la route de la nécessité. Et pour, parfois, on le sait, hélas, s'abîmer dans ce cimetière marin qui est désormais la Méditerranée, ce qui est insupportable. Donc nous avons, je crois, là aussi besoin de pouvoir, en matière de formation, être toujours plus opérationnel, répondre aux attentes du continent. Et c'est ainsi que, d'ailleurs, sur le continent, nous avons un certain nombre d'écoles, d'institutions françaises qui se projettent, et au Maroc, au premier chef. Nous avons là des fleurons de notre excellence éducative qui sont présents, je pense à l'ESSEC notamment, mais je sais que c'est vraiment une stratégie que de pouvoir participer, apporter notre pierre à l'édifice de cette formation qui est la clé de l'émancipation. Et de l'émancipation de la jeunesse africaine comme de la jeunesse européenne. Je vous remercie beaucoup, M. Le Mal, pour le temps que vous avez consacré à la MAP. Merci à vous pour votre invitation.